Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Pnarfank pour un nouvel épisode d'eShade. Dans cet épisode, on va se faire pas mal de trucs. On va se faire pas mal de trucs. Des trucs machin. Déjà, on va aller acheter dans l'enduit. De l'enduit. Je vais regarder un peu mes épisodes, etc. pour voir. Vous ne savez plus où on allait l'acheter. Hein ? Toujours bugué, ça marche. Ça marche bien. Et je crois que c'est à lui qu'il faut lui en acheter là. Jour. L'homme a une lumigène. Ah, on peut lui vendre des objets, c'est vrai. Ah oui, on peut tout lui vendre à 1. Ah, et je pourrais vendre des racines, hein. Même à 1 balle. Voilà. Racines, j'en ai un peu. Il va t'en vendre un petit peu. Ça me dérange pas. Je vais en garder 70. Voilà, on est bien. Life is good here. Avez-vous Did I mention some people call me one glowstone guy? Well, I've got two nicknames around here. The other thing people call me is 500 glowstone guy. I only ever have one item for sale at a time, and I only sell anything for one price. Guess how much? 500 lumigènes. 500 glowstones. D'accord. Wow. Que vendez-vous en sealant. Ce moment? De l'enduit. Il m'en faut justement. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. J'ai le mot de passe des racines. Okay. Well, smack me in the bloom sack and call me a tea kettle. Better than the glowstones, if you ask me. Much obliged. Here you go. Bah c'est cool. Comment je l'ai eu d'ailleurs, je sais même plus. J'ai enfin de l'enduit. C'est complètement monstrueux. Il se passe des choses folles. Comme vous voyez, j'ai plein d'argent aussi. Parce que j'ai farmé les sous. J'ai farmé les sous-sous. Du coup, j'ai débloqué le succès de la pêche. J'ai beaucoup pêché. Pauvre pêcheur. Les mises à jour ont fait en sorte que enfin ce soit débugué sur pas mal de choses, donc ça c'est pratique. La pêche ne bug presque plus, le guitariste ne bug plus, ça c'est bien. Ça c'est cool. Alors il y a plein de choses, plein de choses encore à faire, plein de choses. Tirage. Et le premier truc qu'on va aller voir là, il est sur le chemin. C'est le fameux Renardo. À chaque fois je savais pas où est-ce qu'il était. Je me suis dit mais ouvre tes yeux parce que ça va être à côté. Cherche, rase les murs. Et du coup je l'ai trouvé en cherchant des petites pentes rouges. Hop là. Les perles. Là on a un petit chemin par là. Par là, hein. Entre des renardos. Va voir, petit bonhomme. Ah, attends. Je crois qu'il faut te mettre ça. Attends, je sais plus. Deux secondes. La quête. La quête, je sais plus. Le renardo blessé. Grand Auberge m'a parlé d'un renardeau blessé, l'animal a besoin d'aide mais il n'arrive pas à l'attirer. Oui mais je crois que c'est donc avec ça, sauf erreur de ma part. Si je mets la paille ici. Oh merde, je vois que dalle. Je pense que vous voyez pas plus. Un truc que j'ai mis. Je sais même plus. C'est quoi que j'ai mis dedans là? Ça doit être ça. Ok. On va parler au gros nounours. Oh gros nounours, parce que j'ai un doute. These trails aren't gonna take care of themselves. Ouais, c'est vachement sombre mec, vraiment. Ah bah d'accord. These trails aren't gonna take care of themselves. Oui, très bien.
J'aurais peut-être dû regarder la vidéo où je parlais d'ailleurs, parce que j'ai un petit peu oublié. Ah, champi. Pire, c'est pas grave, on peut aller faire d'autres ados. Ce qui est tout aussi cool. Je vais revenir vite tout. Jeter un œil. C'était pas le bon appart? Peut-être pas, hein. Enlève l'appart. Le livre sur les Renardo, s'il vous plaît. J'ai plus du tout leur truc. Les thés classiques. Mais libre. Son de la rivière. J'avais pas un livre sur les Renardo. Ou alors j'ai lu ça quelque part, mais je sais plus où. Attendez, je vais mettre un œuf. Ouf, je l'ai eu. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bah je l'ai eu. You managed to trap him. Ah, vous avez réussi à l'attraper. All the way above ground. I need to administer the sound. Vas-y, fais péter, Mertoni, fais péter. Mais qu'on voit rien. Well, I guess I should thank you. I'm ready to give up on this damn water fox. Listen, it's pretty clear that you're a nature lover. I don't know how you managed to catch that animal, but I do appreciate it. Let me show you how to make a snug tent. Should be useful for someone like you, roaming the country and all. It will give you a place to relax if you need to kill time, and shelter if you find night sneaking up on you. J'ai reçu le plan de la tente. Le plan de la tente. Attends, on peut construire une tente là. Ah, il faut plus de ficelles. Alors, si je veux construire de la ficelle. Alors, attends, ficelle. Ficelle. Oh, c'est avec des racines. Voilà, avec quelques-unes. Et je peux mettre ça où je veux. Très bien. Annulons. Très bien, cool. Bah, je vais construire une tente. Dans mon coin de pêche, je vais construire une tente. Ça va être bien. Ça va être bien. Donc du coup, il nous faut un vélo. Paf. Touc. Un vélo. Paf. Un pas bord. Oui. Et on va par là. Oui, too fast. Bref. Arrêtez de nous faire vomir. Avec mes deux FPS. Terrible. Ouais, pour aller au coin de pêche, on peut passer par là. Je pense que ça va être bien. Ce qui est un succès, bien sûr, construire une tente. Hein. On va se faire ça, évidemment. Ça va être bien, je vous dis. Arrêtez de douter. Ouais, des racines encore et encore. D'accord. Hop. Des œufs, très bien ça aussi. Hop là. Même si le vieux grognon, je sais toujours pas comment le pêcher. Hein, c'est cool, hein. Ah, j'avais pas mis un petit feu de camp ici. Bon. Ah non, peut-être pas. J'en ai trop pris, gros. Alors, go planter une tente. Fabriquer une tente. C'est la fête à ma tente. On peut la faire pivoter ou pas la tente un peu? Non, pas du tout. J'ai pas le choix, je suis obligé de la construire dans ce sens là.
Alors je peux la construire sur le feu, hein, visiblement, ça c'est ok. Oui. Dormir. Et bon, on va dormir jusqu'au matin. Ça, on aura un peu de lumière, on y verra quelque chose. Ah. Allez, c'est parti. Oui. Bon bah c'est cool. On emballe une tente. Nice. Et au moins il fait beau. Grimper à bord, retourner voir l'autre pour faire le. Il faut aller faire le. Ah, j'ai pas le nom, mais vous l'avez le radeau là. Le radeau en proche à flot. J'espère que c'est comme la tente, on pourra l'emballer. C'est vrai qu'un peu de chance, je pourrais enfin aller pêcher le vieux grognon là. Wouah, champ de FPS. Pourquoi champ de FPS ici? D'accord. Si vous voulez, on s'en fout. Ça nous empêche pas d'apprécier la musique. Ça sert à rien que je passe par la tour. Parce que c'est sur ce côté de la berge. Donc ouais, tout droit. Tout droit, going too fast, not too focus. C'est parti. Virage. Emballé. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai la recette par contre de l'enduit? Ah non! Ah, donc on peut jamais acheter le. Ok. Pourquoi tu me dis qu'on peut pas là? En fait, on peut. Un peu à bord. On peut avancer dans un sens? Oui, oui, oui. Est-ce que je peux lui parler en même temps que j'avance? Non, je peux pas. Hello, good friend. Where's your raft? Dans mon radeau. Tu le vois? Bon, à bientôt. Bon, je prends mon radeau. Visiblement, il n'y avait pas besoin de tout ça. Oh, il y a un poisson bugué. Oh, les poissons, ils volent. Oh, les poissons, c'est des voleurs. Oh, attends, je vais choper un poiscaille. Moi, tu vas voir, ça va être bien. C'est plus. Quoi? Oh, c'est raté. C'est raté. Ah, je l'ai pas raté. Allez ici, petit bonhomme. Il y en a qui tire, hein. Voilà. Et voilà. Chais. D'ailleurs, dans les quêtes, dernière volonté, un poisson acariate, le ballon dirigeable, le commandant anti-thème, le sommet naval, l'élixir de vie. Ah oui, le fameux. Mais de toute façon, maintenant, on a notre radeau. On a tout, on a le radeau, on a la tente, on est confort, et bien sûr, le vélo, à quand le pédalo. Oh, on est tellement... En fait, j'y suis en train d'y penser. Je mélange mon vélo avec mon radeau tout pérave, et je fais un pédalo. Dommage, on peut pas. C'est très rigolo. Juste. Ah ouais, emballe-moi ça là. On va voir un peu. On va faire un petit tour. On va aller chercher quelques sous. Parce que j'en ai sorti pas mal. Enfin, je crois que j'en ai sorti pas mal. En termes d'argent. Ah non, j'ai pas sorti un copec, donc je voulais pas acheter sa recette. Il faudra que je le fasse. Oui, j'en ai plein. Allez, à demain. Bon, bah je pourrais... parce que l'autre qui te propose de l'enduit à 500 balles, je pense que c'est la recette. On ira chercher la recette.
celle-là, mais je vais la chercher maintenant, ceci dit. Pof. Hop. Hop. Hein. C'était sur la route, ça. C'est un genre. Merci. Grimper à bord. Hop. Je dis pas. Oh, optimal de meilleur, c'est parti. Oh, c'est parti, hein. Hop. On va retourner acheter à Ocha. One Ligier de main. La recette. À 500 billets. Il y a deux. Il y a deux personnages qui sont encore un peu obscurs là jusqu'ici, c'est la personne de la montgolfière, toujours rien faire, toujours même pas payé pour faire un tour ou quoi que ce soit. On peut pas en parler visiblement autour de nous. Je sais pas trop, c'est louche. C'est étrange. Avez-vous des choses à vendre? I only ever have one item for sale. 500 émissions, c'est parti. Que vendez-vous en ce moment? Ah, il m'en faut justement. Like to buy some sealant? Achetez-nous. Holy moly, gotta say, I didn't expect you would have the dough. Well to do. Usually the people who buy my stuff are rather rich folk. The business isn't a pinch. J'ai reçu un enduit. Mais est-ce que j'ai la recette? Ah non, rien du tout quoi. C'est vraiment 500 balles l'enduit quoi. Ça, c'est le mec truand en fait par excellence quoi. C'est il faut que tu lui mettes 500 balles pour avoir un enduit. Ça rase de ses morts. D'ailleurs c'est vache parce que j'avais pas eu le succès juste parce que j'avais pas sorti les 500 balles voilà. Bon bah maintenant je l'ai. Je l'ai. Donc le Renardo s'est bouclé. Là, faudrait que j'aille me faire le gros du. Ah, faudrait aussi que je retourne voir les deux nounours. Voilà. Lui, c'est un personnage qui est très obscur. It comes. Bon. Et l'autre, il parle pas. D'accord. C'est cool, la drogue, hein, visiblement. Hein. La drogue et la marche à pied, visiblement, c'est vraiment cool, quoi. C'est bon pour ce que vous avez. Visiblement. Oh. Pardon. Alors, est-ce que c'est un freeze ou c'est un freeze? Mais il y a beaucoup de bugs, hein, malgré les mises à jour, elles sont réapparues. Pareil, j'étais à... À Lindo. À Lindo. Sur un bug assez sympathique en fait, on voyait sur un côté des marches en fait de l'eau sous de la map, c'était très. J'ai bien l'impression que ça ressemble à un bug. Écoutez, alors, ce que je me propose, c'est un petit redémarrage du jeu à l'ancienne. Hein. Paf! Un petit Alt F4 de Temor. Voilà, très bien. Pouf, on relance le jeu. Je fais ça avec vous, hein, c'est pas. C'est pas très long. C'est marrant, hein. C'est vraiment marrant ce jeu qui rame à l'infini. C'est vraiment, tu sens les défauts d'optimisation. Je vois mon pros tout ça, tout va bien en fait, mais non, c'est vraiment juste le jeu qu'on peut plus quoi. Jeu qui est pas très bien opti. Bon bah jeu indé quoi. Hein. Jeu indépendant. Oh. Ça y est, il va plus vouloir charger. C'est quoi, il y a une mise à jour que j'ai raté là? C'est pas ce comment là? Non, c'est bon ça. J'allais râler sinon je vais faire bon d'être gentil, hein, saboter les épisodes, mais voilà. Ok. Donc on continue. On verra bien où était la dernière sauvegarde. Je pense qu'elle est au moment du succès. Donc normalement on devrait continuer à Nava. Ah non, c'est ici. C'est rigolo ça. Avant que j'aille parler au vieux. Très bien, c'est cool. Ça me va.
cool, très bien. On t'évite de recracher le jeu. Très bien. Hop, trace à travers la forêt. Hop, 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 hop. Alors, emballe-moi ça. On vient ici, on va se mettre là. On sort notre petit canoë-kayak. Équipement. Dorado. Très jolie maisonnée. Hein. Ah, il y a du rat. Visiblement, il y a du rat. Ouais. Avance. Oh, il a tapé dans un kayak, il en peut plus quoi. Hop là. En bas. Tu veux monter dans ton kayak? Oui. Je peux pas aller plus loin. Ah, il pleut. La tempête. C'est rare, hein. Auberge de bois coulé? Non mais t'es sérieux, c'est vraiment une auberge? T'es dit vraiment je vais mettre une auberge à un endroit où les gens peuvent pas accéder? Quoi, c'est une auberge qui veut absolument pas de clients? J'ai raté quelque chose. Je pense qu'il y a une donnée logique qui me manque là. Plaisir des pochards flore, on va plus très longtemps. On pas des tours, on ne voit pas. Il y a des gens dedans, visiblement, on va pouvoir parler un peu de monde là-dedans. Il y a des choses par là. Oh, il y a de la cagette. On aime la cagette, mais sinon maintenant on peut acheter nos toiles en vrai. Oula. Les ruines de Rivland, acte de vente de propriété. Le vendeur consent également à faire une déclaration publique et solennelle stipulant qu'il a personnellement pénétré dans les ruines et qu'il les a trouvées totalement vides et dénuées de toute importance sacrée. L'Institut Rose Bleu sera chargé de mener une étude archéologique afin de confirmer cette déclaration. En conformation, normalement on dit en conformité avec ses standards, le vendeur accepte de fixer le paiement à 2008 gemmes pour l'intégralité de la propriété et accorde les droits d'exploration sans restriction des modalités des ruines de Rivland à l'Institut Rose Bleu. Veuillez apposer votre signature ci-dessous. Je ne signe pas. Là on peut pas aller, d'accord. Drôle de moto, toi. Moto de trempé, hein. Entrons dans cette auberge. Oh, we're not really taking you visitors. There's been an incident, but with the storm. Well, I'll give you the room we were planning to give the detective. We're just about full otherwise. Ah. Il semblerait qu'il y ait eu un problème ici, non? There's been a theft in one of the rooms. The police are on their way now, though it might take a while. Don't worry though, the thief wouldn't dare strike again. Qu'est-ce qui a été dérobé? Some sort of important book, real valuable, I guess. By the way, Mr. Historian is reacting. I don't claim to understand what it does. I just know we can't have any thieves making an escape. Vous avez des pistes, monsieur? We've got all kind of weirdos here. It could be just about any one of them. They're all exhausting me. Most of the guests are napping right now, though, so it's nice and quiet for the moment. Look, since we've got this shady business going on here, I'm not going to charge you. You can have a room upstairs, first door on your right. At any rate, it looks like you don't have much choice but to stay. The storm is raging out there.
Quelle est l'histoire de cette vieille auberge? My great-great-grandparents built it as a waypoint for expeditions north, and for folks building windmills on the Teethmoor Bluffs. It's well past its glory days, and I can't imagine this situation is going to do much to boost its reputation. Des suspects? Not exactly. Well, there was this university student. Strange thing. She arrived around noon, coming from Narva. A few hours later, the historian arrived, followed by Helena and that businessman, Vadim. The student went off to her room. I figured she wanted an early start in the morning. But then she came out a little after sunset, bags all packed, telling me she had to leave and take care of an emergency. I felt bad for her having to leave in the night like that. D'accord. Très bien, bah écoutez, au revoir, hein. La bonne journée de Nourson, hein. Fermons cela après tout. Qu'est-ce qu'il se dit? Le Shadian Post. Sauver les ruines, mais pas les esprits qui les hantent. Par Esther Clairpuis. Les ruines de Rifland ont gagné de nouvelles protections aujourd'hui. Suite aux craintes de profanation du site sacré, les nouvelles lois stipulent que les ruines historiques ne pourront être utilisées comme source de profit si une ancienne relique est découverte sur le site. Cependant, une loi préexistante mentionne qu'en cas de découverte d'une relique sur un site historique, les scientifiques se verront accorder tous les pouvoirs sur le terrain afin d'y mener des études approfondies et d'archiver toute découverte pour la postérité. Malheureusement, cela ne protège en aucune façon les occupants indigènes qui considèrent que personne ne devrait jamais pénétrer dans les ruines sacrées, pour quelque raison que ce soit. Les activistes ne cessent de proclamer qu'il n'y a rien d'intéressant au sein de ces ruines, mais seul le temps pourra nous dire si c'est effectivement le cas ou si la science et le monde des affaires finiront par s'emparer des falaises. Fort intéressant ou fort intriguant. Tiens, un goût de... Béatrice Belinda. Oh. Bonjour. Oh. At the Timur Ritz. Timur Ritz, d'accord. L'éternel combat de l'amour. Ils se serrent plus fort l'un contre l'autre, leur corps baigné par le clair de lune. Plus rien ne pourra nous séparer désormais. Nous avons bravé les bêtes et les nuits glacées, la famine et la chasseresse, et pourtant la vie m'a permis de regagner la chaleur de tes bras. Notre amour durera éternellement, mais les combats ne sont pas terminés. Nos vies ont été écrites dans les étoiles et nous n'en sommes qu'au début. Tu pourrais partir ce soir en quête d'une vie plus simple, une vie de richesse et de confort, de chaleur et de lit douillet. Nul ne pourrait en vouloir. Il sut alors qu'aucune chaleur ne saurait jamais être aussi réelle que celle de ses mains, ni aucun lit aussi confortable que le sol qu'il avait partagé avec elle. Sa richesse et son confort, il ne les trouverait plus désormais que dans son regard, dans ses histoires et dans ses sourires. Je partirai avec toi. 59-41. Ouais, je note, hein. Hein, il se passe des trucs, hein. Il se passe des trucs. Très intéressant, formidable. Je te parlerai après. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de te voler une bougie, là? Pas une petite bougie, madame? Madame, t'as pas une bougie. Les pouvoirs antiques des ruines de Rifland, la magie guérisseuse. Certaines personnes sont convaincues que les ruines de Rifland renfermeraient un pouvoir capable de soigner toutes les blessures et toutes les maladies. Il est de ce fait assez incompréhensible que personne ne soit jamais aventuré dans les ruines pour y trouver un tel pouvoir. Pour beaucoup, il suffit de se tenir au sein des ruines pour se voir soulagé des petits maux et allégé de ses angoisses. Il est bien triste que les descendants des peuples ayant bâti ces lieux magiques trouvent inconvenant de partager cette merveilleuse énergie spirituelle. Ils préfèrent en restreindre l'accès. Se pourrait-il qu'ils n'aspirent qu'à préserver ce pouvoir pour leur seul usage personnel? Nous devons hélas de respecter leur volonté et nous ne pouvons que nous interroger sur l'énergie stupéfiante qui demeure enfermée entre les murs de ces tombeaux en ruine. C'est incroyable, c'est tellement génial. Ah, so you finally made it, detective. I was hoping you'd be delayed so we could have more excitement. Les peintures des ruines. Yes.
My husband and I used to go on dates at the ruins. The night sky and the fresh air, all surrounded by the history of the island. It's a very romantic spot, you know. Le code numérique you du livre. To the last page? Don't spoil the ending for me. The businessman Vadim gave me that book last night. I haven't finished it yet, and I don't know anything about those numbers. They better not be important to the story. Avez-vous remarqué quelque chose no, d'étrange? I'm trapped in this bed. There's nothing at all to see here. But I did hear a young girl pacing outside my door before the theft. She seemed very flustered. I called her inside and we talked a bit about books. She was a student at the university. Suddenly she said she needed to go. What a sad girl. Eh bien, merci. Ce sera tout pour le moment. Wow, j'avoue, je suis une enquêtrice, tout ça, tout ça. C'est incroyable. Riley Amir. Ah, une petite bougie, hein. Are you the authorities? Une. Do you paint the crime scene to help find clues? Je m'occupe okay. de l'enquête. Okay. Well, my boyfriend and I really need to get off this lake. We're supposed to be playing a show in Narva tonight, but the innkeeper won't let anyone leave. Désolé de l'apprendre. It's so frustrating. We've never played anywhere important, and the one chance we get, this has to happen. Que savez-vous au sujet du vol? A book was stolen. It must contain the meaning of life, because I can't see any other reason it would be such a big deal. Avez-vous remarqué quelque chose? We got here yesterday afternoon. We ate dinner, played some music, and went to bed. I heard some scuffling in the middle of the night, but I just thought it was rats. Ugh, they're everywhere. Eh bien, just hurry up and find the criminal, okay? Je t'en viens de l'artiste. You're making great strides, detective. I know you'll have this sorted out in no time. Cette affaire ne me résistera pas. As soon as the criminal still hasn't been found, I've taken the liberty of locking everyone's boat ashore. Shouldn't be traveling in the storm anyway. Why don't you take these keys and continue investigation of the suspects in their rooms? Au revoir. Très bien, très bien. Donc pour l'instant, tout tente à croire que c'est l'étudiante en gros qui aurait échoué le truc. Auberge de bois coulée, acte de vente de propriété. Kevork consent à vendre l'auberge de bois coulée à l'Institut Rose Bleu en échange de la somme de 1000 lumigems. La vente comprend le bâtiment, le terrain et l'affaire. Tout employé demeurant à l'auberge deviendra un employé de l'Institut Rose Bleu et devra se plier à des négociations salariales. Veuillez apposer votre signature ci-dessous. Oui, je signe. Alors attends deux secondes. Moi cette rose bleue ça fait beaucoup de rose bleue. Hein. Oh, ça fait un peu trop de fois la même personne. Voilà, la même institution pour lui. Et ça c'était pourquoi? Ruine de Rifland, acte de vente de propriété. Cette fois-ci le vendeur n'est pas nommé. Kevork, ouais, exactement. Vous comptez vendre l'auberge? This place is empty most of the time.
tourism on the Teethmore Bluffs isn't what it once was. And the milling industry is no fancy and upcoming like before. Got that letter in the mail just a few days ago. Seems like my ticket out of here. This place gets a little too gloomy for me. Alors, je te la rachète au moins de ça, parce que pour la tranquillité. Très bien, très bien. Un autre artiste. Ah, un bouquin. Un truc par terre. Mais un bouquin. Les ruines de Riftland, une discussion simple et spirituelle. Elena, bois de marde. C'est un bois de marde. Certaines personnes à Ishade s'accrochent à l'idée ridicule de pouvoir découvrir de grandes richesses et des merveilles antiques au sein des ruines. En réalité, la population indigène sait pertinemment que les ruines de nos ancêtres ne recèlent rien qui puisse avoir une quelconque valeur matérielle. Ces tombeaux abritent les fantômes de nos ancêtres et aller y crapahuter en quête de fortune ou de réponse sur notre passé ne ferait que déshonorer ceux qui ont vécu avant nous. Je l'ai déjà dit et je le répéterai jusqu'à la fin des temps, en dehors des esprits au repos, il n'y a absolument rien dans les ruines de Riftland qui pourrait impressionner un ombragien moderne. Bougie. Je sais pas pourquoi le jeu a décidé qu'on était une voleuse de bougies. Hein. C'est vraiment... Bonjour, petite dame. Hello, detective. My name's Belinda. And I'm an open book, I tell you. Any questions you have, I'm completely ready to answer. I don't have a single thing to hide. The only suspicious thing I've seen is that historian. He's been running into our rooms, snatching up our things and dragging them around for others to inspect. It makes you wonder if he isn't trying to cover something up. Pourquoi êtes-vous en visite ici? My sister and I are taking a relaxing vacation. She hardly gets out of the house anymore, and I thought the fresh air out here would do her some good. Quelle est sa maladie? Knees, thighs, toes, a continual upset stomach. Old age, you might say. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? I have. It seems that Miss Helena is unwell. I've seen her looking very sick and tired as she moves about the inn. You'll see. Something's wrong with her. Des pouvoirs magiques? Well, who knows really? We can't get in there to find out. It's nice to dream. My sister loved hiking and traveling more than anything. Now she can only travel in her books. Ok, merci. Who are you? You don't look like the authorities. Another suspect. When did you get here? Je suis arrivé à la rame il y a quelques minutes. Oh, sure. Well, watch yourself. There's a thief on the loose, and no one's even trying to catch them. Qu'est-ce qui a été débrouillé? In my translation book, it contains runes that would allow me to enter and learn more about the Teethmore ruins. It's highly sensitive and confidential information. I was on my way to the ruins when the thief made their move. Very few people know about the translation book. Someone must have been following me. C'est très louche. And the authorities. Delayed by a boating mishap. At this rate, the thief is going to slip away in the night. Look, but maybe if you take a look, you'll find something that points to the killer. Je vais mener mon enquête. Parlez-moi des ruines de Riftland. The ruins are an incredibly rich source of culture and heritage for the people of Eastshade. I believe that within the ruins there are relics that would help us understand our beginnings on this island.
But somehow, there are people who think history is a waste of time, and they've thwarted my efforts of discovery at every turn. Très bien, bah je progresse. Si tu veux bien parler, Jean-Michel. Hi, I'm Amir. You are going to crack this case, right? My girlfriend and I were supposed to play a show tonight. Oh, this is horrible. Il me faudrait déjà des pistes. I don't know if this will help, but there was someone down on the beach late last night. I couldn't sleep, so I was looking out of my window at the lake, searching for inspiration. But yeah, someone was down there. Quelle est votre chambre? Just past the innkeeper's counter. You can go in, the door's unlocked. We figured since we don't have any interesting books, we're probably safe from the thief. Très bien. Qui avez-vous vu sur la plage? I couldn't tell. They seemed like they might be tall, maybe, but certainly mysterious. Quelque chose d'inhabituel. That businessman, Vadim, he's pretty strange, obsessed with money. He's given me several nasty looks. And the woman over in the corner, Belinda, she keeps giggling at everyone. Héroïne de Rifland. They're a point of controversy around here. Some people want them open to the public, and some people think they're a sacred space. I understand that the ancient people wouldn't have wanted us to disturb their tomb, but it would have been pretty neat to play a show in there. Bah oui, un concert de métal dans des ruines antiques avec des tombes, c'est toujours un exploit incroyable. C'est tout, merci. Alors, je vais faire mon fameux move, mais je pense que Riley et Amir, c'est ça. Donc tu as vu ça vers le quai, évidemment, le truc que j'avais vu. Pas de problème. Nice. Ah, on a beaucoup plus qui a tendance à vouloir glitcher. Oh, il y a encore du monde. Oh non, mais cette vidéo, elle est trop longue, là. Des bisous, on se retrouve dans un prochain épisode. C'est Technofunk sur Comme d'habitude Gaming pour Richade. Des bisous, ciao.